Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Vidéo dégustation les petits potes. Ça va faire plaisir, ça fait longtemps. Regardez tout ce que j'ai dans mon assiette. J'étais au McDo juste avant, je me suis pris un 280, un Big Mac, des patatos et un petit ranch bœuf de luxe que j'ai jamais goûté et que mon McDo où je vais d'habitude ne faisait jamais. Et là, j'arrive là-bas, je vois ça, je me suis dit, mais il faut que je le commande direct. Donc ça, on va le déguster à la fin. Parce que c'est la première fois que je vais le manger, donc il va falloir qu'on voit comment ça fait. Moi, je porte un bob, c'est tout simplement parce que mes cheveux là... C'est un peu n'importe nawak comme on dit. J'ai la flemme de me coiffer. C'est juste ça en fait, crois pas. En vrai, c'est aussi, il faut que j'aille au coiffeur, mais il faut que je trouve le temps en fait. Voilà. Et c'est parti, let's go. Dégustation, c'est parti ma gueule. N'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu, à t'abonner et. Let's go! On commence directement avec un petit iced tea des familles, les gars. Iced tea, je sais pas, bon. Moi, pour moi, les gars, l'iced tea c'est plus par rapport à toutes les boissons. Je vais au McDo, c'est iced tea. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous prenez comme boisson, comme commande en fait en général, qu'est-ce que vous prenez. Moi, c'est iced tea. Dans tous les cas, en boisson, c'est toujours iced tea. Ah. Il fait zizir. On va ouvrir vite fait une sauce de luxe, les gars. Moi, de toute façon, ça, c'est mon habitude. Tout le temps, le premier truc que je goûte en premier, c'est une petite patatose trempée dans la sauce, tu vois, comme ça. Et après, tu fais... Et là... Ah, c'est une dinguerie. Bête de dinguerie. Donc là, on va mettre les patatoses de côté. J'en prends une dernière quand même. Et on va entamer directement avec, allez, un petit 280. Je pose ça là. Et on va prendre aussi un peu de ketchup, mon gars. Parce que le 280 avec du ketchup, c'est incroyable. C'est comme le genre le cheeseburger avec du ketchup. C'est un combo parfait, tu vois. Pour ceux qui aiment la tomate, c'est le meilleur burger pour vous, les gars. Vraiment, c'est full tomate et tout. Sauce tomate, grosse tomate à l'intérieur et tout. Avec une sauce, un steak haché et un pain. Différent des autres, donc franchement c'est assez cool. Et les gars, ce qu'on a dedans, on a une tomate comme je vous l'ai dit, de la sauce, un peu d'oignon, un gros steak haché, du cheddar, du pain et... C'est magnifique. Là le combo il est parfait, il est parfait le combo. En vrai le 280 c'est incroyable, vraiment. Là tu vois, t'es en train de manger ton burger, tu te dis putain il manque de la sauce, tu rajoutes du ketchup, tu vois comme ça. Là t'as un croc du démon. Ça les gars, moi j'appelle ça un croc du démon. Parce que t'as toutes les saveurs en une bouchée, c'est incroyable. Savoir les gars que cette vidéo, ça tourne mais vraiment à l'improviste les gars, vraiment à l'improviste parce que au départ je devais pas faire de vidéo dégustation. Simplement parce que la vidéo elle est filmée avec un autre téléphone que d'habitude, je la filme avec un iPhone 6. Alors que normalement mon téléphone de d'habitude c'est un iPhone 7, voilà, je pense que vous connaissez, mes vidéos sont filmées en iPhone 7 et tout. Tout simplement les gars, mon téléphone iPhone 7 du coup a lâché, genre il veut plus charger. Donc du coup, bah, vu qu'il n'avait plus de batterie, bah, il ne peut plus charger, donc je peux plus l'utiliser. Donc du coup, j'étais obligé de prendre l'ancien à mon père, donc l'iPhone 6. Grosse galère, les gars, vraiment, grosse galère. J'espère quand même que la qualité vous plaît quand même si elle n'est pas comme d'habitude. On arrive bientôt déjà à la fin du 280, les gars. Une masterclass, ce burger, une masterclass. Bon les gars, 280 fini, on va entamer le Big Mac. Là si vous avez vu, maintenant il y a des nouveaux packaging, du coup c'est plus dans la boîte Big Mac comme on a l'habitude. Non, vu que voilà, on est un peu plus écologiste dans tout le monde, hein, on a mis du papier. Voilà, donc en vrai ça fait stylé, moi j'aime bien, ça fait vraiment plus... Enfin moi je trouve ça un peu plus propre quoi, c'est plus soigné on va dire. En vrai moi je trouve ça assez stylé, c'est une bonne initiative de la part de McDo. On va mettre quelque chose au clair les gars, les mecs ils font les Big Mac. Il n'y a pas à mettre autant de salade hein, mec il n'y a pas. Regarde toute la salade, je mange de la salade en fait. J'ai acheté une salade, il n'y a que ça. C'est n'importe quoi, c'est aberrant comme on dit. Bon les gars, j'étais obligé pour cette dégustation de prendre un Big Mac. Je vais au McDo, je suis obligé de prendre un Big Mac. Tu vois, pour moi, le Big Mac c'est vraiment la valeur sûre, le burger de chez McDo le plus iconique vraiment, avec le cheeseburger vraiment. Tu vois, c'est vraiment les deux gros burgers les plus iconiques de McDo, de l'histoire de McDo. Tu vois. Bon allez, teste-moi là comme on dit, let's go. Deux crocs les gars, deux crocs. Regardez ce qui reste du burger. Les gars, c'est la fin d'année des cours. Ben ouais, mais ouais. Je trouve que toi, t'es déjà en vacances. Personnellement, à l'heure que la vidéo elle sort, une semaine, même pas, j'ai fini. Que, enfin, en gros, il me reste une semaine, tu vois. Parce que moi, je suis en seconde, donc je sais que l'année de seconde, enfin, elle se termine très tôt. Après, peut-être que t'es en première, en terminale, en troisième, en quatrième, en cinquième, enfin, je sais pas dans quelle classe que tu es. Peut-être que t'as fini les cours, ou peut-être que tu as bientôt terminé les cours, ou peut-être que tu as ton bac à passer, ton brevet à passer, en gros, des examens à passer. Si t'es dans ce cas-là, bah, bonne chance à toi, bon courage, mon ref. T'es dans mon cas à moi, bah, frérot, bonnes vacances, hein. Clairement, j'ai envie de te dire, bonnes vacances en avance. Quand, en ce moment, il fait chaud, mais il fait un peu humide, tu sais, il y a un peu un temps orageux. Je sais pas si vous allez voir, regardez, j'ai un bouton là. J'ai un autre bouton, je sais plus où. Enfin bref, j'ai plein de boutons de moustiques en ce moment. Eh, c'est trop chiant.
n'y a pas les moustiques. Si un moustique regarde cette vidéo, mais casse-toi, mon ref. Casse-toi. Qu'est-ce que tu fous, là? Non, mais gros. Oh. Mais il est fou, lui. Bon, bah, il reste plus que ça du Big Mac. Il est 14h07. J'ai commencé à 14h05. Même pas 2 minutes pour le terminer. C'est... voilà, c'est normal, quoi. Donc, il pèse 180 grammes, à peu près. Donc, on a dedans une petite galette de blé, garnie de steak haché, du cheddar fondu, de la salade, 2 tranches de tomates et des oignons frais. Le tout accompagné d'une sauce de luxe. Alors là, mon gars, si on se pète pas le bide avec ça, mon gars, je ne comprends pas. Je suis en train de penser à ça, mais j'ai l'air vraiment d'un con avec mon bob en intérieur. Là, en plus, il fait 40 degrés. C'est vraiment miteux, hein. Vraiment, c'est... Il n'y a pas, quoi. Il n'y a pas. C'est pas une sauce de luxe, les gars. C'est clairement du poivre, ça. Du poivre à l'ancienne. Ah non, ça me plaît pas. Je savais pas que la sauce de luxe, c'était de la sauce... Mais non, la sauce de luxe, c'est ça. Ah non, ça, c'est crémé de luxe. Ok, bah, bizarre. Vas-y, c'est pas grave. Ouais. Déjà, il n'y a pas de tomate. Il y a tout, sauf de la tomate. Il n'y a pas de... de sauce de luxe. À moins que la sauce de luxe, ça soit de la sauce moutarde, mais... Non mais les gars, regardez le trou qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a même pas de tomate, genre il n'y a rien. Non, vraiment pas fou. Je vais le manger, mais... Ah, je suis trop déçu. Je vais mettre un peu de ketchup. Ça, c'est pas validé de ouf, là. Ah, grosse déception. Ah, la déception. Ah, on finit sur une touche mauvaise, là. Conseille pas, les gars. Après, peut-être qu'ils sont juste plantés. Ils ont pas mis la bonne sauce, ils ont pas mis de sauce tomate, je sais pas. Je sais pas, mais par contre, si vraiment c'est ça, enfin, non. Les gars, je vous le conseille vraiment pas. Ouais, bah, les gars, je viens de finir de le manger. Vraiment pas fou. À la fin, il y avait plein de moutarde et tout. Non, c'est vraiment... Je vous le conseille vraiment pas. En plus, regardez la gueule qu'il devait avoir et moi, ce que j'ai vu. Vraiment, what the fuck. Enfin bref, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, franchement, elle m'a plu. À part la petite déception à la fin, ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je sais que j'étais absent pas mal de temps en ce moment parce que voilà, il y a beaucoup de dimanches où j'étais pas là, beaucoup de week-ends, beaucoup de semaines où j'étais pas là, j'étais pris et tout. En plus, avec la fin de l'année, petit pas mal de choses et tout à voir sur l'orientation que j'allais avoir l'année prochaine et tout. Donc voilà, c'était un peu compliqué, les gars. Je m'en excuse, mais du coup, c'est bon, tout ça c'est réglé. Maintenant, j'arrive. Reviens en force, les gars, ça c'est carré de fou. N'hésite pas à lâcher vraiment ton plus gros pouce bleu, à m'exposer cette barre de pouce bleu hein, et à t'abonner. Vraiment, c'est très 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 important. Et puis, bah, moi, je vous dis à dimanche prochain, 14h pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan. Ciao, ciao.